peu après 16h, en à peine 2 minutes, l'intervention des forces de l'ordre se fait. Dans la bousculade, un policier en civil est blessé. Les interpellations se succèdent, 8 personnes sont placées en garde à vue. Dans les heures précédentes, sans aucune intervention policière, des dizaines de manifestants masqués ou cagoulés montraient bien qu'ils espéraient en découdre, incendiant des distributeurs bancaires, dégradant le mobilier urbain, caillassant la préfecture. Certains, avant d'agir, aidaient étonnamment les commerçants Bastiais à fermer boutique. Ce matin, les gilets jaunes qui interpellaient les conducteurs de la ville devant la mairie craignaient des débordements tout en comprenant la colère. Demain, si on fait, si on continue à faire perdurer une écoute qui n'est pas, qui ne va pas jusqu'à Matignon, qui ne entre pas dans l'optique des gens qui sont de la base, vous arrivez à avoir plus en plus de violence. C'est normal. Hier, moi, je me suis pris des coups de matraque. Je suis un non-violent. Donc, c'est normal que je devienne violent. Des lycéens étaient présents avec leurs propres inquiétudes. Le pire, c'est qu'on veut nous enlever la bourse étudiante. Comment voulez-vous faire vos études, sachant qu'il nous faut une bourse? Pas tout le monde a les moyens de se payer les études complémentaires, je veux dire. On n'est pas tous riches. Et on enrichit les riches au lieu de valoriser les pauvres. Moi, plus tard, je sais pas, j'ai peur pour mon salaire, pour ma vie future, que ce soit pour la retraite, que je vois que c'est de pire en pire. Pour les droits, tout ça, c'est de pire en pire, donc j'ai peur pour mon avenir. Difficile de savoir ce que les gilets jaunes Bastiais pensent réellement des affrontements qui ont eu lieu cet après-midi. Leur mouvement, en tout cas, ne s'arrêtera pas ce samedi. Le port de commerce devrait être bloqué lundi. Leur but est toujours le même, que le gouvernement propose plus. Thank you.